Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Pendant le temps de tribulation, les fléaux ravagent toutes les nations. Les chrétiens ont fini leur mission. Dieu leur accorde toute sa protection. Les chrétiens ont fini leur mission. Dieu leur accorde toute sa protection. Pour mille ans, Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Jésus-Christ est enfin arrivé. Le bonheur parfait est retrouvé. Les chrétiens morts reviennent à la vie. Le Messie les voit et est ravi. Les chrétiens morts reviennent à la vie. Le Messie les voit et est ravi. Pour mille ans, Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Les élus sont emportés au ciel pour rester avec Emmanuel. Pendant un merveilleux millénaire, il tue Satan et ses partenaires. Pendant un merveilleux millénaire, il tue Satan et ses partenaires. Pour mille ans, Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Les impies morts sont dans leur tombeau. Les méchants vivants tombent en lambeaux. Pour mille ans, ils ne disent pas un mot. Ils sont la pâture des animaux. Pour mille ans, ils ne disent pas un mot. Ils sont la pâture des animaux. Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Satan n'a donc personne à séduire. Il n'y a pas d'homme qui peut conduire. Il a mille ans pour analyser le fruit de ses très mauvaises visées. Il a mille ans pour analyser le fruit de ses très mauvaises visées. Pour mille ans, Satan est enchaîné. Sur la terre, il demeure confiné. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter. Il ne séduit plus l'humanité. Le peuple de Dieu peut enfin fêter.